Monsieur Drouard, merci pour votre candidature en tant que chauffeur de bus au sein de notre joli réseau. Vous me disiez que c'était la concrétisation d'un rêve. Votre mission consistera à accueillir les clients chaleureusement. Il faut être accueillant envers chaque nouveau passager. Bonjour mon petit monsieur, installez-vous à bord. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous sers un petit café ? Eh ben allez, volontiers. Allez, c'est parti pour un petit café. Il faut savoir gérer son temps, mais aussi respecter les horaires. 8h04, 8h05. 8h06 et terminus affichage à 8h62. Vous devrez être attentif à tout ce qui vous entoure, et ce, en toutes circonstances. C'est rien, ça. Vous devrez respecter scrupuleusement le code de la route et l'appliquer à la lettre. Il faudra également être attentif au contrôle des titres de transport. Il y a des deux. Vous devrez aussi garder la tête froide en toutes circonstances et ne jamais céder à l'énervement. C'est clair, c'est quoi ces routes qui pendent là, quoi ? On va faire sa gueule, la tête de con là, putain ! Il est aussi important d'être élégant, quelle que soit la situation. Vous incarnez l'image du réseau. N'oubliez jamais votre bienveillance et montrez-vous sous votre meilleur jour. Bon, votre profil m'intéresse grandement. Vous êtes embauché. Bienvenue parmi nous. Bon bah voilà, c'était pas si compliqué. Bonjour à tous et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui, on va prendre le bus, mais d'une manière un peu différente, puisqu'on va pas prendre seulement le bus, on va prendre le volant du bus. Simon, quel est le modèle qu'on a derrière nous ? Alors, c'est un Eliez, il me semble. Ouais, c'est un Eliez. Alors, pour le modèle, écoute, je vais te laisser argumenter, parce que je suis pas expert en bus, personnellement. Eh ben, c'est pas grave et ça me fait plaisir. Alors, c'est un Eliez de la série Access. La série Access de chez Eliez, elle comprend pas mal de modèles différents. Alors, vous n'avez peut-être pas envie que je vous retrace toute l'histoire du bus, je vais être assez succinct, je vous promets, c'est vrai. Alors, déjà, la gamme GX, elle comprend le 117 qui est un petit bus de 9 ou 10 mètres. Il y a également le GX 217 dont je ne vais pas vous parler ici dans la vidéo, mais c'est un véhicule sur base avec moteur Volvo. Et ensuite, on a le 317 qui est le véhicule qu'on a ici. Alors, le véhicule en question, c'est un bus qu'on va dire standard, c'est-à-dire un bus qui mesure 12 mètres de long. Enfin, non, 11m99. 11m99 ? C'est un bus donc que l'on a pu croiser sur pas mal de réseaux français et notamment celui d'où vient cet exemplaire qui était malheureusement réformé en 2020. Voilà, c'est un bus qui commence à accuser le poids des années, il date de 1995 et donc forcément au bout de 26 ans, eh ben, le pépère il a fait son temps et il est temps de partir à la réforme. Mais il faut surtout dire que ce bus, il n'est pas mort pour autant. C'est-à-dire que les bus sont réformés à des périodes fixes. Généralement, c'est entre 15 et 20 ans pour le maximum. Là, c'est un vieux pépère, c'est un ancêtre. Il ne roule plus normalement les bus à cet âge-là. Et finalement, on a un particulier, Arsène, qu'on verra tout à l'heure, qui a racheté ce bus et qui nous le met à disposition aujourd'hui de PDLV. T'as vu d'ailleurs ces cache-pattes qui sont tout nouveaux. Magnifique. Ça lui va bien. Ça lui va super bien, ça lui apporte une plus-value en plus. Je pense. Là, on a également le logo Access Bus, alors qu'il vient tout juste d'être posé fraîchement, mais qui illustre en fait la série générale de ce type de véhicule. Déjà, Simon, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu le trouves encore contemporain ? Ou alors, est-ce que tu vois vraiment comme une antiquité ce GX 317 ? Bah, honnêtement, ça y est. Ah, ça y est, je l'ai fait. Non, honnêtement, franchement, voilà, il est. Je trouve qu'il est actuel, il est commun. Il ressemble à beaucoup de bus de ville qu'on a actuellement. Franchement, il n'est pas
pour moi, il n'est pas vieux. Il y a, enfin, un bus récent, genre, je saurais même pas faire la différence entre un bus vraiment récent et un bus vieux. Mais à partir d'un certain âge, peut-être que si quand même. Parce que... Peut-être quand même. Mais globalement, non, ça reste moderne en soi. Après, extérieurement parlant, mais. Ouais, voilà, il reste quand même assez actuel. Hein. Alors, il n'y a pas les coquetteries qu'on pourrait avoir sur des bus récents, mais on a quand même un design eh ben, qui est fonctionnel et qui est simple et qui marche bien, avec un très grand pare-brise. Les phares, ils sont relativement classiques. Alors, on est vraiment sur du rustique, hein, très clairement. Tout est vissé, c'est des parties qui sont rectangulaires. Tout est fait à l'économie et pourtant, bah, finalement, ça marche bien et ça vieillit carrément bien. Alors, au niveau des termes un peu plus techniques du bus, on a quelques petites choses qui sont à voir. Déjà, ça, c'est la girouette. La girouette, c'est en fait ce qui va permettre d'annoncer la ligne du bus et la destination du bus. Ce qui est génial avec la GoPro 9, c'est qu'on a également un retour sur ma coiffure dégueulasse. Là, ici, on a 003, c'est le numéro de coquille. Je vais pas m'étendre dessus, mais par exemple, si vous avez un réseau de bus, vous achetez 10 bus. Ces 10 bus-là, ils pourraient être simplement identifiés par leur plaque d'immatriculation, comme ici PDLV 53. Sauf qu'il est quand même plus simple d'attribuer un numéro à chacun de ces bus. Donc par exemple, s'il y a 10 véhicules, on pourrait les nommer de 001 à 010. Et là, ça a été un petit peu le cas de ce véhicule-là, puisqu'il porte le numéro de coquille 003. C'est-à-dire que c'est le troisième bus de sa série, et en l'occurrence pour ce réseau-là, le troisième bus de la série des GX317 à trois portes. Voilà, m'arrête là pour les thèmes techniques. Ouais, je t'ai pas perdu, Simon ? Pas trop perdu. Moi, je suis pas perdu, ça va. C'est vrai ? J'ai réussi à suivre. Bon, bah, j'espère que c'en est pareil pour les autres personnes. Alors, sur les bus, il y a quelques petites différences avec les voitures. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Déjà, il y a la longueur. On a vu qu'un bus standard, comme on a là, c'est un petit peu plus long qu'une voiture. Légèrement. Légèrement, ouais. On est sur un véhicule... Trois fois plus long, quoi. Oui, c'est vrai. Trois fois une voiture. C'est vrai. Très clairement. Mais on retrouve quand même des attributs communs. Par exemple, on a également des rétroviseurs, tu vois, comme sur une voiture. Voilà. Bon, ils sont un peu plus grands, forcément. Ils sont un peu plus grands, ouais. L'idée, c'est quand même de voir où est-ce qu'on pose les roues arrière. Bah oui, parce que forcément, l'empattement sur un bus... Il est long. On a également des gros pneus. Alors ça, les pneus, c'est quelque chose de très commun. Ici, ils sont en 22,5 pouces, ce qui est énorme. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a des gros enjoliveurs en plastique qui dissimulent des jantes en tôle qui sont tout aussi grosses et qui dissimulent des freins à tambour aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors, ce sont des jantes alu. Ah, pas c'est des jantes en tôle. Il me semble que ce que Arsène m'a dit tout à l'heure. Eh ben, je crois que tu as raison et je crois qu'il me l'a déjà dit et je crois que je l'ai déjà oublié également. On a tellement l'habitude d'avoir des jantes en tôle sous des enjoliveurs que... Bah voilà, c'est ça, c'est des formations professionnelles. Voilà, exactement. Voilà. On a un bas de caisse qui court tout le long. Alors on voit qu'il est griffé par endroits. Pourquoi ? Bah, ce véhicule-là, comme je l'ai dit, il a 25 ans de service. Il a plus de 850 000 bornes au compteur. Forcément, il a roulé en ville. Il y a également des gens qui peuvent cogner dedans. Et donc forcément, un bus, ça s'use. Celui-là est quand même dans un très bon état. Et ce qui est rigolo aussi, alors, enfin moi ça m'amuse beaucoup, c'est que les roues arrière, elles sont jumelées. Alors, des roues jumelées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, derrière le premier pneu, eh ben, en fait, il y en a un deuxième. Donc c'est-à-dire qu'il y a une deuxième roue alu. Et ça permet en fait de passer mieux la puissance et surtout d'accueillir plus de poids. À l'arrière, on a eh ben, le moteur. Alors le moteur, il est en position haute, mais il ne va pas jusqu'en haut. Alors si vous connaissez un petit peu en bus, vous allez certainement retrouver le style général et notamment cette partie-là qui rappelle un petit peu les Agora. Je vous mets une photo d'un bus Agora. Et en fait, c'est la même gueule, hein, très clairement. C'est la même base de véhicule. On retrouve également un moteur Renault. Ici, c'est une version de 250 chevaux. Donc, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, Simon, c'est quand même pas dégueulasse, hein, 250 chevaux dans un bus. Non, vraiment. Bon, après, forcément, il y a 11 tonnes à envoyer. Voilà, tu as dit le point, j'avais oublié. Tout à fait. C'est ça. Les feux arrière, ça te fait pas penser à une vieille berline ? Oh, mais oui ! Moi, ça me fait penser à une vieille Mercedes. Je sais pas, le cul. Ah ouais, j'avoue. Franchement, tu coupes là, ici, là. Tac, ça fait une Mercedes. Bon, un peu élargie, les... Oh, un poil. Mais non, c'est, ça reste quand même très intéressant comme véhicule. Enfin, c'est assez incroyable. Enfin, ça me fascine vraiment, voilà. Là derrière, on a eh ben, le moteur et plus particulièrement la partie ventilation, refroidissement. Tout à fait. Et sur le côté, ah oui, ah ben oui, mais comment on a pu oublier ça ? Un bus, c'est pas symétrique. Enfin, un bus, c'est pas toujours symétrique. C'est-à-dire que côté gauche, on n'a pas de porte. Voilà,
il n'y a pas de porte, c'est-à-dire qu'on ne monte pas du côté gauche. Pourquoi ? Parce que les trottoirs, bah, ils ne sont pas du côté gauche. Hein, bah, en France, en l'occurrence, on roule à droite, donc voilà. Les trottoirs, ils sont à droite. Et attention, les bus anglais, eux, forcément, bah, bah, c'est l'inverse. Exactement. Non, ils ne roulent pas en marche arrière. Oh, ça reste à prouver. Et là, de ce côté-là, eh ben, on retrouve notre GX317 avec trois portes, et plus particulièrement des portes à double vanteau. Alors, comme la plupart des réseaux, on monte par la porte avant, qui d'ailleurs est ouverte, et on descend par l'une des deux portes arrière, donc ce qui permet tout simplement de mieux fluidifier la circulation. Ici, c'est la trappe à mazout. D'ailleurs, on voit qu'il y a des petites coulures, parce que forcément, les pleins, ils sont faits à la chaîne sur les véhicules, et donc forcément, il y a toujours des petites coulures qui se font. Mais c'est quand même propre, hein. Vraiment, j'ai vu largement pire sur des bus. Ouais, complètement. On c'est bien fait en même temps. Bah, le petit appendice exprès pour que bah, voilà, le gasoil puisse couler s'il y a besoin, pas abîmer la peinture. C'est bien, c'est vraiment fait pour être fonctionnel, clairement. Tout à fait, à 100%. Mais c'est assumé, hein. Oui. C'est assumé, ça marche bien. C'est pas le but d'être beau, hein. C'est clair. Un minimum, forcément, parce que bon. Des catadioptres, qui sont une obligation légale. Magnifique. Et bah, moi, je me mets au volant. Ouais. La petite particularité de celui-ci aussi, c'est qu'il y a une rampe d'accès. Oh oui, la rampe PMR. C'est-à-dire que cette rampe-là, on pourra l'avoir tout à l'heure, mais elle permet justement de libérer l'accès pour que les personnes qui sont en mobilité réduite puissent monter dans le bus. C'est beau. C'est super beau. C'est super bien pensé. Bon, après, on l'a sur d'autres véhicules, forcément. Mais tous les bus ne l'ont pas. Tous les bus ne l'ont pas. Tout à fait. Et là, on est sur un modèle de 1995, donc qui répond à la norme Euro 1, qui est une norme qui répond plus à grand-chose puisqu'elle n'est plus du tout attribuée. Tout à fait. Bah, je crois qu'il est temps de passer à bord. Hein. Ouais. Allez, go. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti! Tiens, mets la casquette de capitaine. Avec ma grosse tête. Quoi, c'est ça, non? C'est le CLF devant, non? Eh ben, je fuis ta bagnole, hein! Non, c'est quoi ça? Ah, allez, c'est parti! C'est ça, la porte! Ah, ouais, c'est vraiment sympa! La sécurité forte! Putain! Allez, on va rouler que porte avant ouverte, il a dit ça. Bon, Simon, t'es en train de conduire un bus, je crois que c'est un rêve d'enfance qui se concrétise. Non, c'est faux. Non, peut-être pas un rêve d'enfance. Même quoique, hein, quand on était gamin, on jouait. Bah, on jouait à ça, clairement. On jouait avec les petits bus hein, sur les tapis de voiture, hein, clairement. Bah, exactement. D'ailleurs, si vous aimez les miniatures, allez sur MiniDLV, puisque c'est là que vous montrez de miniatures. Hein. Tout à fait. Bon, déjà, on a un volant qui est énorme. C'est-à-dire, ce qu'il en est, il est gigantesque. Il doit faire un bon 60 cm de large. Clairement. C'est bluffant.
Et pourtant, je trouve qu'on a une prise en main qui est assez bonne. Alors c'est marrant, le bus a un capital de sympathie énorme. Faut dire qu'en pleine campagne, c'est pas forcément très commun de voir un bus de ville. Ouais, on est d'accord. Ouais. Alors petite précision aussi, les routes ont été privatisées pour l'occasion. Il y a eu un arrêté municipal, enfin un arrêté préfectoral même. Tout à fait. Pour justement faire ça dans les règles. Bon, au niveau de la conduite, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, sur ce bus, on trouve une boîte de vitesse automatique à 4 rapports. On va être d'accord sur le fait que ça se conduit très facilement. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Sauf peut-être quand on croise un tracteur. L'angoisse. Ça va, il est cool, il refait une marche arrière. Ouais, sympa. D'ailleurs, on a ici les commandes de boîte avec DNR, mode exactement comme une voiture. Il a la possibilité de passer les 3 premiers rapports, donc ce qui est quand même assez confortable. Ici, on a la commande qui est spécifique au réseau de bus, donc c'est-à-dire que c'est les commandes qui permettent de gérer tout ce qui est girouette et les différentes commandes pour les destinations, notamment ce qui s'affiche sur la girouette. La girouette, c'est ce qu'il y a au-dessus. Au niveau de la conduite pure, eh ben, je pense que tu es d'accord avec moi, ça se conduit très facilement, on a un très bon feeling de conduite. Alors très clairement, alors, c'est le plus facile, désolé pour le bruit, le plus facile clairement c'est de conduire tout droit, mais dès qu'il faut manœuvrer, alors là bon, heureusement on a des bons gros rétroviseurs. Oui c'est vrai. Mais il faut faire attention, très voilà. Clairement. D'ailleurs on a quand même une rétrovision qui est quand même pas mal, hein. On voit bien ici. Donc on est sur un gabarit de 12 mètres, donc c'est loin d'être le bus le plus grand Simon. Hein. Le bus le plus grand, il mesure 30 mètres de long. Rien que t'imagines ça. Plus de 3 fois ce qu'on a là. Non, 2 fois et demi. J'avais été bon en maths. Et donc on a également des fonctionnalités un peu plus avancées, comme bah, par exemple les réglages de siège, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se régler comme on veut. Tu as même, comble du luxe, un petit accoudoir. Ah oui, un petit accoudoir, bon il est un peu bas pour moi, mais ça passe. Ou t'es un peu grand pour l'accoudoir, hein. Ça dépend de cette façon de voir. Les réglages de ligne également ici. Différentes destinations qui sont préprogrammées ici avec les codes de mission. On a également sur le côté eh ben, le frein à main qui est d'une manière assez originale dans sa présentation. On a le frein d'exploitation. On a beaucoup de bruit aussi. On a pas mal de rossignols, ouais c'est vrai également. Mais étonnamment, ça se prend bien en main et le gabarit, je trouve qu'on l'a bah, assez vite en main, même s'il ne faut pas prendre trop conscience trop vite, hein, soyons très clairs. La position de conduite, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, tu es assez surélevé quand même. Hein. Ouais, complètement. Hein. Tu es assez surélevé. Déjà, rien que pour accéder au poste de conduite, tu as une marche. Parle-moi un petit peu du ressenti au niveau des pédales. Alors, le ressenti au niveau des pédales, clairement, c'est loin d'être actif. Comparé. Oh la mince. Bon, tu peux reculer. Ouais. Désolé, jamais trompé de route. Alors, il n'y a personne derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se manœuvre très bien en marche arrière aussi. Très oui, clairement. C'est clair. Et là, du coup, on va avoir un virage à 90 degrés, mais c'est pas si angoissant que ça, dans le sens où, eh ben, sur les bus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des porte-à-faux qui sont énormes. Les roues, elles sont bien après le poste de conduite. Ce qui fait qu'au niveau des prises de virage, bah, c'est quand même un peu plus simple. D'ailleurs là t'as manœuvré sans trop de difficultés quoi, très clairement. Non ça se fait bien, en regardant les rétros, on voit les roues arrière. Le plus important c'est de bien visualiser toute la longueur de son bus, savoir où sont les roues. Et à partir de ce moment-là, et bah, ça se passe très bien. C'est vrai. Non mais vraiment. Pour le feeling, on ressent bien le jeu dans le volant. Oui. Alors par contre la route, on la ressent vraiment pas du tout. C'est vrai. D'ailleurs, on va parler un petit peu du moteur parce que bah, c'est quand même un aspect important. C'est un moteur diesel, étonnamment. Exactement, ouais, étonnamment. Un gros moteur diesel, 10 litres. C'est ça. Avec un gros turbo. Pour une puissance totale de 250 chevaux. Donc c'est un moteur Renault. Donc c'est quand même loin d'être dégueulasse. Alors le 0 à 100, bah, c'est non. Non. Voilà, il n'y a pas de 0 à 100. Les reprises sont correctes. C'est pas ouf. De toute manière, pour 12 tonnes, faut pas en attendre trop non plus. Tout à fait. J'adore. Entre le bus de et la casquette de capitaine. Donc ouais, ce qui est marrant, c'est que tout est vraiment démesuré avec ce véhicule-là. Et ah, très clairement. Déjà, au niveau de la largeur, on est à 2,50 m, ce qui est colossal. On ne se rend pas compte hein, de 2,50 m hein, de largeur. 2,50 m, c'est quand même pas mal.
c'est quand même pas mal. En hauteur, on est à 2,80 m et le GX317, il existe même en version GPL et GNV avec une bosse sur le toit, ce qui passe à plus de 3 mètres. Bon, très clairement, il faut le dire, là, un conduit de bus en campagne, gros respect aux chauffeurs de bus en ville, très clairement. On voit avec quelle aisance ils ont pour manœuvrer, pour se déplacer en ville comme si conduisait une voiture. Très clairement, respect. En vrai, j'ai un profond respect, ouais. C'est vraiment en conduisant que tu te rends compte que finalement, ouais, c'est loin d'être si simple que ça, quoi. En fait, c'est. Ouais, c'est gabarit, on s'en rend pas forcément compte, mais ouais, c'est quand même assez massif. Et au niveau de la position de conduite, bah, c'est quand même assez ergonomique. Hein. T'as ton petit siège sans affecter. Très bien assis. Un grand volant pour bien manœuvrer. Très grand volant pour manœuvrer. Volant, Renault. Il manque la petite. Comment on appelle ça? La petite bite là comme sur les tracteurs là pour. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça aurait été pratique, ouais. Ça et puis les palettes au volant en vrai. En vrai, il faut toujours avoir deux mains sur le volant. Toujours, très important. Ah, j'ai manqué le temps à gauche depuis tout à l'heure. Ouais. On a personne à droite et on a personne à gauche. Et là, effectivement, on a des petits réglages complémentaires qui permettent notamment de déployer la rampe pour les personnes à mobilité réduite, de passer les vitesses directement. On a également pas mal de compteurs, donc un compteur de vitesse classique qui est traduit à la fois en mph et en km/h. C'est pas dégueu en vrai. Tout à fait. Même si bon, je pense pas que ce bus-là y ait un jour en Angleterre. Bah celui-là non, effectivement. Après peut-être que la base, oui, je vais être vendu en Angleterre avec les bah, du coup tout inversé. Et le compteur lui-même, ouais. Bah, forcément, il s'est retrouvé de l'autre côté. C'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, bah, il va forcément redescendre inversé. Exactement. Il y a également pas mal de compteurs devant toi. On voit celui qui jauge le carburant, un pour l'huile, un pour la charge de la batterie, j'ai l'impression, un pour les freins. Ouais. C'est pas dégueu en vrai, c'est pas mal. Hein. Après, la présentation elle est quand même rustique. Malheureusement, n'en déplaise au conducteur d'Audi, il n'y a pas de plastique moussé. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est un petit manque. Bon, ça se rajoute, hein, bien entendu. Alors là, on va essayer de pas se manger. La barrière, ouais. La barrière. Yes, bien joué. On est pas mal. On est pas mal du tout, ouais. Bon, c'est vrai que niveau accélération, on l'a déjà vu mieux. Pied planche, ça va? Bah ouais, écoute, hein, je suis pas chamboulé. Hein. Ouais. T'es pas collé au fond du siège, hein, je pense. Non, c'est vrai, on a déjà connu un peu plus vif. Mais non, non, c'est vraiment trop marrant à conduire. En fait, en plus, t'as l'impression d'être vraiment au volant d'un vaisseau. C'est d'un immense paquebot. Vu qu'à hauteur, vraiment. T'as un feeling qui est génial. C'est vraiment trop kiffant. Ouais, c'est vrai qu'on en discutait, c'est pas forcément le meilleur daily. Hein. Bah pourquoi? C'est un peu gros. Ah bon, se garer, c'est pas pratique. Hein. Ouais, c'est ça. On n'a pas testé de créneau d'ailleurs. C'est un truc qu'il faudrait qu'on essaie. Ouais. Trouver l'endroit, ouais. Ouais. Puis se garer à la parisienne, au bruit. Ouais, exactement. Ouais, là tu vois, on a senti un petit peu la coup de boîte. Effectivement, la boîte pourrait être un peu mieux étagée avec des rapports qui passent un peu plus vite. Tout à fait. À titre de comparaison, tu vois, je préfère quand même la boîte de chez BMW. La boîte ZF, je trouve qu'elles sont un petit peu plus réactives. Tout à fait. Ah, il chauffe le soleil, hein, derrière. Ouais, quand même, hein. À travers la vitre. Je sais pas l'été. Mais un capitaine
reste un capitaine. Exactement. Un capitaine ne quitte jamais sa toque. À la limite, on va s'arrêter là. Ouais. Freinage tout en douceur. Tout en douceur. T'as vu ? Voilà. Il était magnifique. But, ah non, le but, c'est de ne pas renverser les passagers quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a cette responsabilité-là. Mais globalement, voilà, les pédales, elles sont quand même très très dures. Alors Arsène nous disait que théoriquement, elles sont pas aussi dures que ça. Voilà. Le bus, il a survécu, il a quand même pas mal d'années. C'est bon, je peux me décapitainer. Et donc forcément, au fil du temps, ça s'use un petit peu. C'est comme avec un embrayage, hein. Au fur et à mesure du temps, bah, il se ramollit. Là, il s'est un petit peu durci. C'est un coup à prendre. Le frein, c'est pareil. Il faut vraiment appuyer très fort pour que ça freine très fort. C'est du feeling. Et franchement, c'est trop rigolo. Je pense que dans une vie future, j'aimerais bien être conducteur de bus. Ouais, c'est trop cool. Enfin bon. Voilà ce qu'on peut en dire déjà de la conduite de ce bus. Maintenant, je pense qu'on va parler des points un peu plus techniques. On va parler des bus et on va parler du bus. Cool. Donc, je vais laisser la parole à Arsène, qui est également le propriétaire de ce bus et qui est également un passionné de bus. Voici Arsène, superbe transition. Bon, Arsène, le modèle qu'on a là, c'est un GX 317. C'est retenu, Simon ? Oui, 317. Bravo. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de ce bus dans sa globalité ? Alors, du coup, ce bus-là, il a été créé sous la marque Eliez sur châssis Renault. Donc, c'est un véhicule qui a été sorti dans les années 90, en 1995. C'est un véhicule sur base et motorisation Renault. Et du coup, donc, c'est un véhicule qui est motorisé par Renault également. Donc, du coup, c'est Eliez Bus, un carrossier français qui l'a sorti, qui encore aujourd'hui crée des véhicules avec différentes générations. Et donc, les GX 317 étaient sortis dans les années 90. Ça fait partie d'une gamme complète de véhicules midi-bus standard articulés. Ça fait partie d'une génération qui a été proposée aux différents réseaux français qui ont beaucoup acheté ce modèle-là. Les GX 317, ça a quand même été produit à beaucoup d'exemplaires. Après, ils ont été produits sous trois générations, Euro 1, Euro 2 et Euro 3. Donc ça, c'est lié à la pollution ? Voilà, exactement. Euro 3, produit sous motorisation Iveco. Une prise de service, par exemple, c'est on rentre dans son véhicule, donc on ouvre les portes, on rentre au niveau du poste de conduite. On met en route le véhicule, donc on le démarre, on met la batterie, on le démarre. On met en place le chauffage en fonction de la période où se trouve, en fonction si on est l'été ou l'hiver. On met le chauffage, ensuite on allume les feux. Donc on effectue tous nos réglages et tous nos repères. Donc par exemple, réglage du volant, réglage du siège, réglage de l'inclinaison. Ensuite, on effectue nos contrôles, donc que ce soit éclairage. Que ce soit éclairage, donc on allume tout, donc voilà, donc batterie. Ah oui, donc là t'as plein de commandes différents. Donc là on est tout sur tout ce qui est partie véhicule, donc le démarrer, donc là. Oh, la magie du cylindre diesel. Exactement. Là, on a toute la partie ventilation pour le passager ou le conducteur, et là, toute la partie électricité. Voilà, donc c'est vraiment rangé en fonction du domaine sur le bus, de sa partie que ça gère, pour que ça soit le plus facile et le plus simple pour le conducteur à s'y retrouver. C'est vrai que c'est quand même assez ergonomique, les dessins ils sont quand même assez parlants, faut dire ce qu'il en est. Effectivement, donc du coup, c'est les dessins pour la plupart qu'on retrouve sur les véhicules industriels, j'ai envie de le dire. Donc là, on a les feux, les anti-brouillards, les warnings. Bon, on voit plus très bien, ça s'est effacé avec le temps. Oui, bon, tu devines la couleur quand même. Voilà, exactement. Ensuite, on a la ventilation, voilà, le petit souffle d'air, la pulsion d'air. Voilà, donc là, start pour parler anglais. Là, le bouton stop. Et test, c'est pour tester les voyants qui sont au tableau de bord. Donc, c'est toujours mieux de les tester. Ouais, c'est partir. Sûr qu'on peut mettre prudent quand même, ouais. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a réglé tous nos réglages, on regarde si on a bien le gasoil, donc avec la jauge qui est ici. Là, on a la tension de la batterie et les deux manomètres de pression d'air des différents circuits, donc circuit avant et circuit arrière. Donc là, on a la pression et la température d'huile de boîte et la température d'huile moteur. Donc là, un compteur de vitesse. En miles et kilomètres-heure. Et kilomètres-heure, effectivement. Et ici, toute la commande commerciale, j'ai envie de dire, avec le SAE
qui est propre à l'exploitation de la ligne du réseau, les boutons de porte pour ouvrir ou fermer les boutons de porte. Donc là, on a un modèle 3 portes, donc il y a 3 boutons. Exactement, un bouton par porte. Si par exemple on a 2 portes, on n'aura pas ce bouton-là. On aura 2 boutons avec un cache pour ici. Car ce sont des consoles qui sont prévues pour le plus de boutons possible. Et en fonction de combien de boutons on a le bouton, on a les boutons adéquats au nombre de portes. Donc là, on a la commande de la boîte, donc c'est une boîte automatique ZF 4 à port, pilotée depuis le tableau de bord par le conducteur. Ok. Voilà. Ensuite, tu as un très gros volant. Un très gros volant, oui, effectivement, qui va, j'ai envie de dire, avec la lignée du bus. C'est vrai que tout est gros sur ce véhicule. Tout est gros sur ce véhicule, voilà, donc avec le Komodo. Et là, j'en ai pas parlé, mais on a tout ce qui est partie d'exploitation. Donc ça, c'est le frein d'arrêt pour ouvrir les portes. Le frein d'arrêt d'exploitation, donc c'est le FAE, où il a plusieurs dénominations. Et du coup, c'est pour quand on l'actionne, c'est pour s'arrêter, ça évite de mettre le frein de parc à chaque arrêt. Donc là, le frein de parking, qui ça, c'est le frein qui libère les. C'est la commande qui libère les freins pour partir de son emplacement de stockage. On peut dire que c'est un équivalent du frein à main d'une voiture, quoi. Exactement, okay. C'est, mais c'est air comprimé. Maintenant, je te propose, sur ce véhicule-là, tu nous as montré, il y a quand même des trucs qui sont assez fous, notamment au niveau des soubassements. Oui. C'est plus à l'extérieur que ça se passe, mais enfin, c'est incroyable de voir des choses aussi grosses sur un véhicule, aussi gros au final. Alors oui, déjà, tu me parlais des batteries, les batteries qui sont énormes. Alors les batteries sur ce véhicule, c'est un circuit 24 volts, donc ça, effectivement, les batteries vont avec le circuit, et donc on retrouve deux énormes batteries. On retrouve des énormes batteries 24 volts, donc 2 de 12 volts. Ah ouais, c'est quand même balèze. Voilà. Là, on voit tout le système de direction. Alors voilà, donc avec. Énorme aussi. Voilà, donc là, on a la colonne de direction avec le projecteur, le renvoi là-bas. On voit, on aperçoit au fond les pédales aussi, l'accélérateur. Énorme. Voilà, et là, le boîtier de direction qui renvoie sur la gueule qu'on voit ici, qui renvoie sur le système de direction qu'on voit. Qu'on ne verra pas là, mais qui est en dessous le véhicule, je te l'assure. C'est bluffant. Et en fait, on voit bien que la structure, elle est posée sur un cadre en. C'est un cadre en acier. En acier, ouais. Ça dépend des modèles, c'est acier ou zinc, mais c'est surtout acier, ouais. Ouais. Ok. Gros véhicule, gros moteur. Très gros véhicule, extrêmement gros moteur. Ouais. Donc là, on est sur un moteur de 8,5 litres de cylindrée. 8,5 à peu près, ça dépend de la motorisation qui est proposée et adoptée par le client, mais effectivement, ouais, c'est ça. Et là, on est sur la version la plus puissante. On est positionné comment? Non, on est presque sur la version la plus puissante. On est sur une 250 chevaux environ. Ouais. Et on a jusqu'à. Pour l'époque, on était allé jusqu'à 270 environ. Alors, ça paraît beaucoup, et on est quand même sur un véhicule de 12 tonnes. 10 tonnes. Ouais, 10 tonnes, ouais. Est-ce que tu peux nous faire avec? C'est possible. La bête. On va couper. Donc, Je vais essayer de arrêter. Sur la pompe à injection, voilà, donc on actionne, on coupe l'arrivée de carburant. Ok. Voilà, tu peux voir qu'il fait un petit peu chaud, forcément. Oui, c'est vrai que là, on a beau être en hiver, on est très bien. On n'est pas trop mal, effectivement. Bah après, ici on retrouve un petit peu tout ce qu'on peut retrouver sur un moteur basique, j'ai envie de dire, donc un alternateur pour produire le courant, qui est chaud d'ailleurs. Qui est très chaud. Voilà, donc là la pompe à injection, qui est quand même balèze, hein, tu peux le voir. Oui, c'est déjà un beau spécimen. Hein. Voilà, donc qui envoie avec les 6 tubulures pour envoyer sur les différents cylindres. Voilà, les filtres à huile, la direction assistée. Oui. Le démarreur. Le démarreur. Et puis. Le 6 cylindres en ligne. Le 6 cylindres en ligne, voilà, donc c'est Renault MIDR. 0645, donc c'était un moteur quand même assez imposant pour l'époque. Ça vient de dire. C'est vrai que ça fait un gros moteur et on n'en développe pas forcément beaucoup de choses. Mais bon, c'était le début des gros moteurs. Il y a quand même un turbo. On le voit au fond ici, donc effectivement, il est ici. Alors là, je crois qu'Anthony, il doit être en PLS de voir un aussi gros turbo. C'est impossible. Là, on a également le petit filtre. Petit filtre à l'air, 3 fois rien. Ouais, voilà. 3 fois rien, ouais. Oh la vache. Des machines à laver qui sont bien plus petites que ça. C'est vrai que c'est assez énorme quand on voit la quantité d'air qu'il nous faut. Ouais. Donc là, la nourrice d'huile pour le moteur, le réservoir de liquide de refroidissement qui est bien chaud. Aussi. Le ventilateur pour refroidir l'intercooler. On peut pas le manquer. Non, c'est vrai. Je vais juste à côté pour qu'on voit un petit peu qu'on ait une différence d'échelle. Et effectivement, il est très gros. Vraiment très gros. C'est pas un petit moteur, effectivement. Donc ensuite, le moteur.
la boîte qui va avec. Oui, énorme boîte. Donc boîte auto, tu me disais. Boîte automatique, enfin mécanique auto. C'est pas exactement une automatique, c'est une robotisée du coup, mais on dit tous automatique. Ah oui, donc c'est une boîte manuelle auto, avec voilà. C'est une boîte manuelle à commande. Donc là-dessus, c'est de l'hydraulique du coup, et à commande électrique. Avec boîtier qui est géré depuis le bus. Est-ce qu'il existe des bus de ville en boîte mécanique? Ça a existé par le passé sur Savienne et Renault. C'était pour l'époque, si tu veux, c'était des bus qui étaient sortis, mais qui n'étaient pas destinés à de l'urbain, mais ils ont fait de l'urbain, donc oui, ça existait. Mais là, ouais, c'est quand même incroyable de voir quelque chose d'aussi gros. Et pourtant, tout est quand même bien foutu, bien accessible. Tout est bien accessible, toutes les pièces sont assez simples d'accès. Bon, après, il faut déposer quelques pièces parfois quand on veut travailler dessus, mais bon. Ça fait partie des joies de la mécanique. On n'a rien sans rien. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir acheter un bus comme ça? Ce qui m'a pris, c'était du coup, c'était un rêve d'enfant d'en acheter un depuis que je suis petit. Et puis bah, là, j'ai pu en acheter un qui vient de donc qui a passé toute sa vie à Ouais. Et du coup, bah, j'ai eu l'opportunité de l'acheter. Donc bah, je l'ai acheté sans trop me poser de questions parce que bah faut prendre le risque. Puis de toute manière, rationnellement, il n'y a absolument aucun argument qui peut justifier un tel achat. Non. Faut dire ce qu'il y en a. Faut être un petit peu fou quand même pour l'acheter. C'est vrai. Mais je crois que c'est ça qui rend le délire encore plus génial. Ouais, exactement. Que, ouais. Alors, on va pas dire le prix d'achat du véhicule parce que ça reste confidentiel. Exactement. Mais je peux vous dire que pour le prix de ce bus, bah, vous pouvez vous acheter pas tant de trucs que ça. Et franchement, je trouve ça fabuleux d'avoir un véhicule qui est roulant. Alors, tu as quand même fait un peu de restauration dessus, faut dire ce qu'il en a. J'ai fait quelques mois, ouais, 4-5 mois de travail dessus. J'ai quand même beaucoup bossé, il y a beaucoup d'heures que j'ai passé dessus. Mais bon, la base était quand même très très bonne. Et puis, c'est un moteur avec lequel je ne serai jamais embêté parce que c'est de la mécanique qui est très très fiable. Et voilà. Je te propose de le redémarrer. Ouais. Donc du coup, pour les connaisseurs, le bouton est là sur la commande de contacteur de... Nos capots. Ça sent fort. Il y a quand même des questions qu'on se posait aussi, c'est par rapport à l'intérieur du bus. Parce qu'à l'intérieur de bus, c'est pas vraiment comme à l'intérieur de voiture. Alors, non, il y a plus de place. Il y a plus de place. Je pense qu'on a tous déjà pris le bus au moins une fois dans notre vie. Oui. Ouais, je pense quand même que c'est quelque chose d'assez commun. Ouais, exactement. Sauf qu'un bus, c'est quand même assez spécifique et tous les bus ne sont pas aménagés de la même manière. Alors, oui, on va monter je par l'arrière. Je te propose de rentrer par à l'intérieur. Ouais. Alors déjà, on arrive sur un petit... Un plateau, on peut l'appeler. Ouais. Ouais. Alors du coup, bah, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver beaucoup aujourd'hui. C'est à l'arrière un plateau pour que les gens se mettent, s'adossent aux assises fesses qu'on appelle. Et en vrai c'est pas dégueu, on est bien installé. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est un endroit de circulation surtout. Les gens ils viennent se poser là et quand ils veulent sortir, on a les boutons pour demander l'arrêt à disposition. Pour ensuite déverrouiller ici la porte quand le conducteur nous le permet. Et ensuite... on sort ici. Donc ici c'est un truc qu'on retrouve plus beaucoup sur les véhicules, de part parce qu'il n'y a plus de marche à l'arrière. Donc ce véhicule là a une marche parce que la transmission passe en dessous, mais les véhicules plus modernes la transmission passe pas pareil, donc du coup on n'a plus de marche à l'arrière, donc il y a eu des sièges qui ont été mis jusqu'au bout tout en gardant l'espace pour la troisième porte. Alors après on a des véhicules qui n'ont que deux portes, donc ils ont toute une rangée de sièges à l'arrière avec la deuxième porte qu'à l'heure. Tout à fait. D'ailleurs, précisons aussi que c'est une propulsion, ce sont les roues arrière qui entraînent le véhicule. Tout à fait, et j'en profite aussi pour dire, car beaucoup de gens se posent souvent la question, les bus articulés, c'est une propulsion aussi, et c'est l'essieu qui est dans la remorque qui propulse. Et ça, tu vois, je ne le savais pas, et je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Ensuite, on arrive eh ben, sur les premiers fauteuils, les premiers sièges. Les sièges, voilà. Voilà, une sellerie, on est à 4 de front, avec un passage au centre. Voilà. Bon, c'est une sellerie, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est pas hyper confort, mais je trouve que ça vieillit pas trop mal. Ces sièges-là, ils sont de 2003. Alors la base est de 1995 avec une sellerie rénovée entre 2003 et 2004, je sais plus exactement.
mais c'est une sellerie anti-lacération, donc ça vieillit quand même assez bien par rapport au fauteuil qu'on a pu retrouver. C'est vrai que franchement, ils sont quand même hyper propres. Mm. On est quand même pas trop mal assis, ça va. C'est un peu ferme, mais pas trop. C'est ferme, mais sans roulette, ouais. Ensuite, si on avance, on découvre une deuxième rangée de sièges. Voilà. Ouais, non, ça, on filme pas. On filme pas non plus. Voilà, disposition relativement classique au sein d'un bus. Hein. Généralement, la partie arrière, enfin, entre le milieu et l'arrière, c'est généralement que des sièges. Ouais. Là, on est plutôt dans du classique. Et là, on arrive à un aménagement, et ben, un PMR pour les personnes à mobilité réduite. Il est ici. Oups. Je voulais en venir au fait qu'il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que tu pourrais nous montrer ça? J'aimerais beaucoup le voir. La démonstration, oui, bien sûr. Cool. Donc, du coup, c'est commandé par le conducteur. Donc, le passager peut en faire la demande ici. Ouais. En appuyant ici. Ouais, donc c'est tactile. Ok. Voilà. Et donc ensuite, c'est vraiment le conducteur qui vient au niveau du tableau de bord. Là, on voit que la disposition contrôlée est différente. Donc, du coup, il faut avoir la batterie d'allumée. On démarre. On ferme toutes les portes. Donc, on met son frein d'exploitation. Et du coup, on. Voilà. Voilà. Putain, mais c'est super rapide! Donc là, c'est sorti. Waouh! Et donc, il y a un agenouillement pour que la pente soit moins forte pour la personne qui rentre en fauteuil. C'est hyper rapide, je suis bluffé, je m'attendais à ce que ce soit hyper lent. Voilà. En fait, non, pas du tout. Non, c'est quand même assez rapide parce qu'il faut quand même pour une exploitation commerciale que ce soit assez rapide. Ouais, c'est sûr. Mais donc avec un revêtement dessus antidérapant, chose qu'on retrouve pas forcément sur toute palette PMR. Très vrai. PMR. Non, c'est quand même bien aménagé. Et pour un bus qui a quand même 25 ans, c'est quand même bien d'avoir ce type. C'est vrai, parce qu'à l'époque, c'était pas encore une obligation comme les bus d'aujourd'hui. Ouais. L'obligation, elle a été passée entre 2001 et 2003. Ça dépend des pays, ça dépend des bus aussi. Il y a des bus qui ont été produits sans pouvoir aménager une palette, enfin une rampe comme ça. Mais oui, pour l'époque, c'était très très rare d'en avoir. C'est vraiment bien pensé. Et donc la personne à mobilité réduite, elle peut venir s'installer tout simplement dans ce petit espace-là. Voilà, exactement. Donc elle vient se mettre ici, elle vient en buter contre ce fauteuil, puis elle baisse ça pour se tenir. On a deux fauteuils classiques ici, qui ont l'avantage d'être sur le plancher plat. Voilà. Donc pour pas se casser le dos, se casser le cul, ou se casser une hanche ou une prothèse de hanche, bah, voilà. C'est quand même bien. C'est quand même bien, puis ça permet d'avoir des sièges à hauteur de plancher. Exactement. Et ensuite, on a quatre fauteuils plus classiques, surélevés. Sur les passages de roue. Parce qu'ils sont sur les passages de roue. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais trop changé dans le temps. C'est quelque chose qui est toujours resté là, les sièges sur les passages de roue dans cette configuration. C'est vrai. Et là, on a la meilleure place. Voilà, la place du conducteur. Bon, je te propose de rentrer la rampe si tu veux. Donc, on referme la porte. Voilà. Et la rampe va remonter. Et là, le bus se remet à niveau. Exactement. Alors, on ne le voit pas en vidéo, mais effectivement, on sent bien que. Voilà, et donc ensuite, soit on repart, soit on reste ici. Donc voilà. Et la porte avant. Le bus, pour beaucoup, il n'est qu'un moyen de locomotion. Celui qui nous emmène au travail, chez le médecin, voir notre famille ou nos amis. Le bus, on le voit sans jamais le regarder. Il partage nos moments de vie sous la forme d'une transition entre un point A et un point B. Il est présent dans nos vies, mais nous n'y prêtons pas attention. Vous rappelez-vous de la couleur des sièges du dernier bus que nous avons emprunté ? Il y a des chances que non. Et je parierai pas non plus sur le numéro du bus en lui-même. Le bus, justement, c'est un univers pourtant fascinant dès lors que le voyage importe autant que la destination. Je ne pouvais achever cette vidéo sans vous montrer brièvement la maison des bus. Là où ces véhicules assouvissent leur soif, reprennent des couleurs, refont le plein d'énergie et se font soigner leurs bobos du quotidien. Actuellement, je prends le car. Enfin, je prends pas seulement le car, je prends le volant du car. Non, c'est une blague. Pas cette fois.
Ma destination, c'est Laval, et plus particulièrement, le réseau de bus de Laval. Quand j'ai dit que j'allais essayer un bus, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Visiblement, c'est un domaine qui vous passionne beaucoup plus que ce que je pensais. Donc ça fait plaisir et je me suis dit, autant essayer de terminer la vidéo d'une manière sympa. Je suis actuellement à Laval, au TUL. TUL, ça veut dire Transport Urbain Lavallois. C'est un réseau de bus donc qui est dédié à la ville de Laval et qui est géré par Keolis. Ils ont un parc de 70 bus. Alors malheureusement, il y a encore du vent. Capillairement, ça va encore être compliqué. Et ce réseau de bus... il est composé également de modèles assez anciens, dont je ne pouvais que vous présenter celui-là en premier, puisque c'est un GX317, marque Eliez, qui est exactement le même bus que celui qu'on a essayé. Alors, il diffère quand même par sa livrée, par son aménagement également, parce que chaque réseau a ses propres spécificités, mais il s'agit bel et bien du même modèle de bus. D'ailleurs, juste à côté, on en a un deuxième, qui est également donc un GX317, à la différence que celui-là, et eh ben, c'est un deux portes, c'est-à-dire que à l'arrière, tout à l'arrière du moins, il n'y a pas de porte. Donc on en a encore quelques-uns ici. Des bus qui sont bah, malheureusement plutôt en fin de vie, même s'ils sont quand même bien entretenus. Alors malheureusement, il y en a qui ont déjà fini leur carrière, à l'image de celui-là, le 106, qui est de mémoire l'un des tout derniers Euro 1 que le réseau a eu. Alors, l'étude de Laval, c'est un réseau que j'aime beaucoup. La livrée, déjà, je la trouve assez amusante. Donc, c'est une livrée uniformément grise. Et dessus, en fait, il y a plein de motifs qui apparaissent. Par exemple, là, on a Laval, agglomération, la famille. Là-bas, on a les feuilles d'automne, le film, les mariages. Tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'y retrouve. Je vais y arriver. Et donc, tout ça, en fait, ça ajoute un petit peu une touche... plus humaine à un réseau de bus, et ça je trouve ça pas mal. Et d'ailleurs, c'est un réseau qui est assez intéressant sur un point particulier, c'est qu'il n'achète pas que du matériel neuf. Chez les TUL, en fait, on achète également des bus d'occasion, à l'image de ceux que j'ai en face de moi, qui sont des articulés. Alors les articulés, j'en ai parlé dans le courant de la vidéo avec Arsène, c'est tout simplement en fait des bus comme ça. Alors on les appelle souvent des bus doubles, ou des bus à accordéon. Et en fait, c'est des bus qui mesurent 18 mètres de long. Et forcément, vous vous doutez bien qu'avec 18 mètres de long, on ne peut pas manœuvrer si facilement que ça. Donc, il y a une articulation au centre du bus qui permet de tourner. Et pour autant, on peut tout à fait passer de la première partie à la deuxième. Donc, au final, pour les lignes un peu plus chargées, bah, c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, le bus que je viens de vous montrer, qui porte le numéro 507, il a un jumeau juste ici, le 508. Et ce sont deux bus qui circulaient initialement en Île-de-France, qui ont été rachetés par le réseau assez récemment. Et juste derrière, il y a quelque chose qui est également assez amusant. C'est un petit train touristique, voilà, qui est géré par la ville et qui permet d'arpenter bah, un petit peu... pour les touristes, la ville, et la découvrir d'une manière un petit peu différente. Moi, j'ai toujours bien kiffé ce genre de véhicule-là, j'aimerais bien en conduire un jour. On va poursuivre un petit peu notre visite du dépôt. Alors, je sais très bien que c'est un domaine qui ne va pas forcément vous fasciner. Cette seconde partie de vidéo-là, j'ai longuement hésité à la faire, mais je me suis dit, bon, quitte à aborder un thème, autant y aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a poussé, justement, à vous tourner cette séquence-là au TUL. Là, on a encore deux autres bus articulés, les 501-502, qui sont des Man Lions City, des bus de 2009 ou 2010, je crois. Et il faut savoir qu'en fait, le réseau de Laval n'a pas beaucoup d'articulés. Ils n'en ont que 8, donc c'est un petit réseau, entre guillemets, par rapport à d'autres. Mais il est assez bien géré, il y a une belle homogénéité dans le matériel, et je trouve que ça fait assez plaisir à voir quand même. Là, on voit qu'on a également un bus. Alors celui-là, je crois qu'il est hybride. Et il est hybride pour une raison toute simple qui se perçoit assez facilement, c'est qu'on a une bosse sur le toit. Et en fait, cette bosse sur le toit, elle permet justement de stocker, je pense que c'est ici, les batteries. Donc c'est assez intéressant quand même. D'ailleurs, pendant la vidéo, Simon me disait qu'il ne savait pas comment trop identifier un bus récent d'un bus plus ancien. Donc je vais quand même lui montrer un bus récent. Alors, qu'est-ce qui fait la modernité par rapport à celui-là qui est plus âgé de 10 ans? Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est pas forcément le meilleur exemple, les Man Lions. Mais globalement, on retrouve des touches qui sont bien dessinées. Un petit peu ça, qui est inspiré de l'automobile quand même. On a également des phares anti-brouillard, on a des phares qui sont pas à LED a priori. Mais on a quand même un dessin qui est un petit peu plus sophistiqué. Je vais quand même essayer de vous trouver un bus un peu plus récent et avec un style un peu plus affirmé. D'ailleurs, je pense qu'il y en a là-bas. On va aller voir ça là-bas. Là, on a également un
car interurbain, qui est un CETRA, et qui est en fait un matériel plus orienté bus quand même. Alors ce qui fait la différence entre un car et un bus, j'aurais pu l'aborder en vidéo, la différence c'est que dans un car on est généralement un peu plus élevé, et aussi qu'il n'y a que des sièges à l'intérieur. Ici, on est donc sur un car interurbain, quittons quand même plusieurs le bus, donc ça se trouve c'est vraiment un bus et je suis en train de vous dire n'importe quoi. On va continuer un petit peu une autre visite du réseau avec également des Mercedes Citaro. Alors c'est des modèles qui sont pas tout jeunes, mais que le réseau a acheté d'occasion, je crois, il y a moins d'un an. Donc on voit quand même que le design a un petit peu vieilli. On dirait que c'est un petit peu la même époque que le GX317 qu'on a essayé, mais c'est quand même un petit peu plus récent. Là-bas justement, juste derrière, on voit un GX337. Il y en a un là-bas? Non, il n'y en a pas. Donc je vais aller le filmer. Et en fait, il s'agit tout simplement de la toute dernière version du bus qu'on a essayé, qui appartient à Arsène. Sauf que là, c'est vraiment le tout dernier design. Donc niveau évolution, on peut déjà voir qu'il y a énormément de choses. Déjà, on a des feux qui sont bien plus profilés. On n'est plus seulement dans le cache vissé, même si c'est quand même vissé. Là, on a vraiment une recherche du design qui est très affirmée. D'ailleurs, au niveau de la plaque, c'est rigolo, mais on dirait presque un diffuseur. On a également des grilles qui sont beaucoup plus fines et qui laissent bien mieux respirer le moteur. Donc c'est plus sympa quand même visuellement. Là pareil, des grilles bien mieux travaillées, mais on garde toujours la bulle au niveau du toit. Je pense que c'est un appendice esthétique auquel Eliès est très attaché. La recharge de carburant, on voit qu'elle est également mieux intégrée. Alors forcément, ça facilite pas le problème des coulures, parce qu'on voit quand même que la carrosserie est un petit peu marquée par endroits, mais c'est mieux harmonieux. Ça permet justement d'avoir un design qui est plus fluide dans l'ensemble. On retrouve la belle livrée du réseau. Alors, il faut savoir que les Tulle, avant, ils avaient une livrée qui a atrocement mal vieilli. Là, je trouve que c'est quand même plutôt moderne dans l'ensemble. C'est quand même un bus qui est assez joli et je trouve que la livrée, elle met quand même assez bien en valeur. On a également, au même titre qu'en automobile, un sigle qui est là-haut, GX337, qu'il met là encore bien en valeur. Et si on passe à l'avant, c'est là qu'on va voir que le design est beaucoup plus sophistiqué, avec des phares qui ont désormais une forme travaillée. Ça modernise énormément la face avant. Les rétroviseurs, ils n'ont pas de pattes qui partent de tous les côtés. C'est très harmonieux, c'est très fluide dans la ligne. En fait, tout a été retravaillé en s'inspirant clairement des codes de l'automobile. Alors là, le bus est fermé, je vais pas m'étendre plus que ça. L'idée, c'est vraiment de vous offrir une approche un peu plus globale sur les transports en commun. Je vais pas vous faire une description totale du réseau, ça aurait pas d'intérêt. On est sur PDLV, c'est quand même un média automobile. Et même au niveau des vitres, on peut voir qu'on a un carénage noir tout le long du véhicule. Les vitres sont également teintées. Et tout ça, en fait, ça apporte clairement de la modernité dans la ligne. C'est assez incroyable. Donc, un œil exercé, il fera pas forcément la différence entre un vieux bus et un bus plus récent. En fait, il faut vraiment regarder dans les détails pour apprécier un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? En fait, j'ai pas préparé plus que ça cette vidéo. Il faut vraiment que vous voyez ça comme une séquence secondaire. C'est du bonus, très clairement. Au niveau des bus, le moteur, il est généralement situé en position arrière. Donc là, on est sur un Iris Bus Citelis. Donc c'est un modèle qui n'est plus commercialisé, qui doit dater de 2011, je pense. Le moteur, il est exactement comme dans le GX317 d'Arsène. Il se trouve en position arrière, derrière un gros cache. Mais il y a également certains modèles de bus, comme je vais vous montrer celui-là. Donc là, c'est de nouveau un Man Lion City, qui n'ont tout simplement pas de moteur sur le côté. Par exemple, si je me mets de ce côté-là, vous pouvez voir, enfin j'espère que vous pouvez voir, que il y a des sièges, vous voyez. En fait, le moteur, ce coup-ci, il a été mis sur tout le côté gauche, d'où le fait qu'on ait un côté qui ne soit pas vitré. C'est intéressant, hein. Donc au final, chaque constructeur a un petit peu sa propre architecture. Ça dépend un petit peu de comment ils veulent gérer l'espace intérieur. Et parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand un réseau commande des bus, ils en commandent généralement pas mal. Et donc forcément, il faut séduire massivement et avoir le meilleur compromis et le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça qu'on a des choix esthétiques qui sont assez différents. Mais globalement, il y a des éléments qui restent. C'est par exemple les découpes de carrosserie en plusieurs éléments. Là, on voit bien que ça, c'est un élément. Ça, ça en est un autre. Ce Citelis-là, c'est exactement pareil. Ça, c'est une partie à part, ça aussi. Et tout ça, en fait, ça permet justement d'avoir des bus qui sont facilement réparables, qui sont assez faciles à entretenir. Et finalement, ça va dans le sens des réseaux qui ont certainement des coûts de maintenance à tenir. Donc ça, c'est intéressant également de voir ça.
Ce que j'aime bien aussi avec les bus, c'est qu'il y a souvent des choix esthétiques qui sont faits, mais qui sont pas assumés à 100%. Je me balade, hein, très clairement. Là, vous voyez, on a une sorte d'extension du feu qui est purement visuel, parce que c'est uniquement du catadioptre, mais ça permet en fait d'allonger visuellement la forme du feu, donc c'est assez intéressant également d'avoir ce type de choix. Toujours pour finir, non, on n'a pas encore fini, j'ai encore des trucs à vous dire. Au niveau de la numérotation des bus, par exemple, là, ça, c'est le bus numéro 300. Ici, c'est le 301, et là, c'est le 302, 303, 304, 305. En fait, comme je vous le disais dans la vidéo, les bus, ils ont généralement une suite logique dans leur numérotation. Chez les Tulle à Laval, c'est un peu plus compliqué, puisque la numérotation, au tout début, dans les années 50, elle a commencé à 1. Ça s'est poursuivi jusqu'à 100, un peu plus de 100. Et ensuite, il y a de nouvelles séries qui sont apparues. Par exemple, la série 300, je crois de mémoire que c'est destiné aux cars et bus interurbains qui sont exclusivement deux portes. La plupart sont des véhicules achetés d'occasion, mais il y a quand même une suite logique dans les numéros, donc ça, c'est quand même un bon point. Bon, il y a autre chose que je voulais vous montrer tant que je suis là, c'est comment ça se passe quand un bus a besoin de faire le plein. Parce que si vous allez à Carrefour faire votre plein, je pense pas que vous ayez déjà croisé un bus en train de faire son plein. La raison, c'est qu'en fait, les réseaux, ils ont leur propre système pour faire leur plein, et donc ça se présente un petit peu comme ça. On est actuellement dans les coulisses des Tulle où ils font le plein. Là, on a plusieurs pompes différentes. Là, on a une pompe GPL, donc qui permet de faire le plein de GPL en toute logique. On a également des pompes à sans plomb qui se trouvent là, une autre qui se trouve là-bas. Là, on a un bac qui, je pense, est pour recycler l'huile ou différents matériaux. Donc tout ça, en fait, ça permet de gérer tout ça en interne. Donc c'est assez intéressant. Et surtout, ça permet d'éviter de mobiliser les conducteurs après leur service pour qu'ils aillent faire le plein. Donc là, au final, ça permet de tout internaliser. Ici, on a la machine à laver. Alors, la machine à laver, c'est un petit peu comme la station de lavage pour les voitures. Sauf qu'ici, en toute logique, c'est les bus qui y passent. On a ici une note d'utilisation. Et en gros, quand les bus ont fini leur service, alors c'est pas forcément tous les jours, mais c'est généralement tous les 2-3 jours, et ben ils passent là-dedans avec des énormes rouleaux qui vont les frotter sur toute la longueur, et ça permet au final d'avoir des bus qui sont toujours à peu près propres. Donc c'est quand même important vis-à-vis de la clientèle d'avoir des bus qui sont pas dégueulasses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, j'ai encore un GX317 face à moi, qui est ici. Donc là, on est sur un modèle un peu plus ancien, le 108. Qui a certainement bientôt fini sa carrière, je pense, mais qui est également le même modèle que celui d'Arsène. Alors on voit évidemment que la carrosserie, elle a quand même un petit peu délavé, qu'elle est quand même pas mal esquintée, mais c'est un bus qui n'est pas tout jeune, bien loin de là. Et finalement, je trouve que pour son âge, il est quand même pas dans un état si mauvais que ça. Bon, j'ai quasiment terminé cette vidéo. Je vais vous balancer une petite séquence en musique où je vais vous montrer un petit peu l'atelier. Alors pourquoi je développe pas plus que ça? Parce que déjà, les personnes sont en train de travailler dans l'atelier. J'ai pas envie de les déranger, et l'idée, c'est pas non plus de vous mobiliser pendant 1h50. Donc, je vous balance une petite séquence en musique avec des travelling sur les bus, et je vous laisse. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye.